Et oui, c'est Clay Tech Pro. Je veux dire, je viens là pour nous quelques petits conseils sur l'installation de panneaux solaires. Pas oublier que sur page YouTube là, même si avec déjà 4500 abonnés que nous gagnons cap sur nous chaque jour. Merci. Le fait que nous faisons page Clay Tech Pro, confiance. Ok, alors Kembe là, toujours commenter, toujours partager, abonner et partager, inviter les gens qui intéressent avec le domaine électronique, électronique et sous page là pour regarder et qui ça que nous portons. Je dis à nous, on parle de breaker, on parle de régulateur, on parle de MC4. Et, mais avant tout, débarrassement de zone où il y a, mettez-le dans les commentaires, pour que moi connais avec staff là, pour que staff Clay Tech pour planifier un séminaire de formation dans zone power là. But en tête de liste, nous avons Okai et nous avons Okap et nous avons Gonaïve et en tête de liste. Et pour nous planifier, nous avons les qui zone que notre formation est très bientôt. Et alors, mettez dans les commentaires qui zone que vous avez pour nous connaître. Pour nous connaître qui sont qui n'a pas planifié formation en avant. Alors, commentez, partagez, like chaque vidéo. Alors, ça c'est boîte breaker DC. Et là, j'ai un breaker 10A et j'ai un breaker 20A. J'ai un breaker 10A et j'ai un breaker 20A. Alors, qui est un breaker au niveau du circuit? But, wall breaker a ces éléments de protection. Protection contre qui ça? Pour que ça m'oblige à passer par un breaker avant que je monte dans le régulateur. En cas de court-circuit, par exemple, si le panneau solaire a un choc qui arrive sous lui, il faut que je protège le régulateur là. Ok, il faut que je protège le régulateur là de façon que pour il n'y a pas fuck up. Ok? Et deuxièmement, il permet que je me dissocie, je retire le panneau solaire sur le régulateur là en cas de maintenance. Par exemple, le panneau solaire est entré. Puis, bon, pour la phase de la régulateur là, si ma fonte est sur le régulateur, je vais juste éteindre, je vais couper le panneau solaire là et puis tout me faire ça ma faire. Ok? Alors, c'est un outil de protection. Mais vous mettez pour protéger le système là, pour protéger le régulateur là. En cas de coup, le panneau solaire là, s'il est fait, s'il est sur le régulateur, il va le régulateur à bouler, il burn. Alors, de ce fait, si vous avez un circuit, boum, vous avez la trip, la descend et puis tout, comment va traverser. Logiquement, vous protégez le système lorsque vous passez par un breaker DC. Ok? Il est vraiment important que nous mettez le breaker au niveau du système et photovoltaïque. Nous toujours mettez un breaker et de protection. D'accord? Parce que si que nous pas mettre breaker, mais si vous coupez circuit, c'est sûr que ces régulateurs là, cap prend frappe là. Mais ça fait avant que panneau solaire là entre directement au niveau de régulateur là, nous obligé passer lui par breaker pour protection et régulateur noir, pour nous protéger régulateur noir. Alors en cas de court circuit. Et l'important aussi que m'a fait maintenant sur le système là, ben pas besoin de déconnecter fil panneau solaire là sur régulateur là, juste off breaker yo et puis tout m'ka faire ça m'ki pou faire au niveau du système là. Alors il est vraiment important pour que nous mettez breaker comme élément de protection surtout au niveau du système photovoltaïque yo. Alors nous sortir tout avant que dans le sous-bâton nous ka mettre breaker. Nous ka mettre breaker. De ce fait, les comme ça, si je fais un changement sur batterie, je vais off-breaker panneau solaire, je vais off-breaker sur batterie, et je vais là pour faire un changement sur ma fer sans problème, sans difficulté. Alors, il est vraiment important que nous mettions breaker au niveau du circuit, au niveau du système photovoltaïque. Alors, ça, c'est deux régulateurs solaires. Okay, oui. Alors, pas oublier que chaque mois, nous toujours une information. Au niveau du système photovoltaïque, installation inverter, installation panneau solaire, calcul de charge, assemble, inverter automatique et plutôt réparation. Et pas oublier sur page YouTube, moi, en bas, nous avons une formation qui a fait sous web design, mais après créer un site internet HTML, CSS, PHP. Et vous êtes connecté avec nous et nous apportez un cours électronique pour vous de A à Z. Un cours électronique de A à Z. Même tout électronique, ça veut dire que électronique de A à Z. Vous n'avez pas besoin de rien. Si vous êtes via l'école électronique, ça vous apporte une formation pour vous complète sur page là.
et sauf que il y a des conditions, il y a des pièces que on obligé acheter pour que vous participez dans le programme ça avec nous pour faire partie que la caillou. Et puis au niveau de ceux qui font votre like tout, nous comptons d'y parler de MC4. De MC4. Connecteur MC4 yo, alors c'est ça yo. Et alors gain connecteur série, gain connecteur parallèle, mais déjà c'est ça yo. Alors qui avantage que li gain, qui avantage que li gain lorsque nous fait jonction, lorsque nous fait jonction avec fil panneau solaire yo, parfois quand gain jonction qui pas qui connait pas bien fait, alors dans jonction qu'on gain perte, qu'on gain perte au niveau de jonction que nous fait entre plusieurs panneaux solaires ensemble. Mais lorsque nous connecté avec un MC4, nous bien pincher là avec un pince, puis nous mettez le connecteur et MC4 là, puis vous nous connecter les panneaux solaires ensemble. Là ça les jonctions et contact là bien fait, contact là bien fait. Tout courant traversé sans problème. OK, ça c'est connecteur pour panneau solaire. Et deuxième avantage que gagne, c'est que m'a défait installation, je connais que c'est détaché, déconnecté, reconnecté dans l'autre sans problème, c'est que m'a pas besoin de mal TP fil tout ça. OK? Alors, si besoin bon système, c'est faire calcul d'abord, utiliser matériel nécessaire, yo. Utiliser matériel nécessaire, yo, pour que vous ayez un bon système. Et énergie et 24 minutes pour besoin, mais il n'est pas difficile, sauf que il faut que vous mettiez, alors il faut que vous mettez moyen là pour acheter les outils nécessaires pour protection et pour durabilité système par là. OK, alors c'est Secret Tech Pro, et au cas toujours que moi sur WhatsApp et conseils techniques et conseils techniques formation le 31 octobre, la formation sur assemblage d'inverteur automatique, installation d'inverteur, installation panneau solaire et calcul de charge, assemblage d'inverteur automatique. Alors, participez avec nous, c'est 1 000 euros de description et 4 000 euros de participation. Et actuellement, la nouvelle formation qui est en cours, qui a fait sur installation d'inverteur avec assemblage d'inverteur automatique et installation panneau solaire. Et dimanche, qui a venu là, et dimanche, qui a 10 octobre, on a fait câblage batterie et puis on a fait. Et on a essayé une vidéo de centre déjà yo. Et puis pour une cas continuer avec le programme de formation, ça c'est MC4 et ça c'est connecteur MC4 et ça c'est panel breaker DC, breaker DC, ça c'est régulateur. Et ça vous mettez nous là encore, vous mettez nous en section de votre fusible déjà. Alors restez connecté avec nous, c'est Clé Tech Pro, et connectez et commentez, abonnez avec channel là, like chaque vidéo pour tout plus bon. Puis bon conseil. Merci avec tout le monde qui a suivi sur page YouTube là Clé Tech Pro, et nous qui a connecté avec page Facebook là tout qui c'est Clé Tech Pro, Instagram qui c'est Clé Tech. Téléphone là c'est 48 62 26 98 41 00 86 37 31 66 46 36. Alors Clé Tech Pro électrotechnique. Et prêt pour ton formation pour nous là, la fête sur ATS. Alors déjà c'est mon gars qui a compétence en électrotechnique, et mon gars qui a compétence en électricité et tout, mais nous qui a participé. Et la fête sur automatisme, la fête sur programme logique contrôle, leader, on a fait leader ensemble. So, restez connecté avec page Clé Tech Pro pour plus de détails.